Bonjour tout le monde, ici Picabuff QC pour un épisode de Witcher 3. Dernier épisode, on avait commencé la quête contre la créature du marais, puis on s'est fait violemment tuer, mais là on va se venger. C'est-tu ça? Ouais, c'était ça. Je devrais utiliser l'œil de Néalini. Ils sont vraiment forts. Ça doit être le brouillard. Un brumelin. Le but, c'est de le tuer au plus Chris. Je l'ai-tu ramassé, ça? Dernière fois. Il ne me semble guère. J'ai un méga mutagène, mais... Je n'en ai point. Je devrais sauvegarder ici, parce que c'est le prochain qui m'a pété la gueule sauvagement. Ça, je vais super mettre ça. Ça. Ok. Fait que dernier épisode, on a fait pas mal les side quests. Les points d'interrogation de la map aussi. Donc en gros, on faisait. Ben, on a celui-là, mais on peut pas le faire parce que c'est un endroit barré. J'avais déjà essayé auparavant dans ma première tentative de ce jeu. Je m'appelle, j'avais gossé, j'avais été dans la ville 7, puis. Je pouvais pas vraiment rentrer par là. C'était une barrière fermée. Puis tout autour, tu peux pas y aller parce qu'il y a comme une des montagnes. Fait que c'est inaccessible. Donc, probablement plus loin, on va se rendre dans l'histoire. Et c'est vrai, on a des panneaux qui se sont rallumés. Je sais pas pour quelle raison. C'est un bug, c'est pas un bug. On va voir ça, mais avant on va tuer cet enfoiré. Il sait ce qu'on veut, hein. Il sait. Il est où là? Espèce de monstre dégueulasse. Juste idiot. Aïe aïe! Mal. Fait très mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'huile cette fois-ci parce que j'en ai pas mis. Ça m'aiderait un petit peu. Un petit peu plus peut-être. Peut-être qu'il serait déjà mort avec l'huile. C'est 25% de dégâts. Tu sais. C'est ça. Thank you.
veux pas te faire toucher par ça, c'est juste ça. Ben! Good job. Good job, on l'a tué. Il est mort. Boussy est mort. Qu'est-ce qu'il a fait ce bout-là? Y'en a-t-il d'autres? Moi, je suis arrivé par là, right? Non, je suis pas arrivé par là. % de bonus d'or. Tu vois, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. 5% de bonus d'or. Bonjour, bonjour! Oups. Ok, ça c'est fait. Quelles sont les nouvelles? Le monstre est mort et le brouillard est dissipé. Ah! Vous nous avez rendu un fier service, sorceleur. Tenez, voici votre récompense. Merci encore et bonne route. Pour un level 12, il me faisait très mal. Comparé au level 30-40, ben les niveaux 30 que j'ai battus à l'heure, t'étais pas si pire. Okay. Fait que ça, c'est fait. Je suis quand même curieux de voir pourquoi que les panneaux de quête se sont réallumés. J'en ai trois, en tout cas, qui se sont réallumés. C'est peut-être juste une affaire de cartes ou quelque chose de même. Ça se pourrait fort bien. Wow! Je pense qu'il me désirait. Il est sorti de nulle part. Il y a un autre site.
le village est où, là? Par là. Qu'est-ce que j'entends? Oh! Oh! Ça va, t'as? Cadavre, tu sais juste... Ah, oh, ok. Ça a disparu comme par magie, j'ai comme moi. Oh, les harpies. Grand chose d'harpie à date. J'en ai vu quelques-unes, mais pas énormes. Ils sont proches de la ville, en tout cas. Bon, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe avec? L'échevin de Valtiel. Je cherche un sorceleur pour déloger et exterminer les monstres qui sèment la pagaille dans la région. Pendant la durée nécessaire à la réalisation du contrat, le sorceleur sera logé et nourri par l'échevin, fait réduit de la rémunération finale. Message de l'échevin de Valtiel. J'ai aucune idée c'est quoi. Je l'ai lu. Ça passe à rien. Ok. Est-ce que c'était ça qui était marqué sur tout? Non. Valtiel. Si. Ah, oh, ben, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait Valtiel. Au complet. Ça reste que Greton a une affaire. On peut aller voir. Je pense pas que j'ai des side quests de plus là. Non. Chasse au trésor. J'ai rien d'autre à Velen. Ça va bien. Ok. On va aller dans deux autres villes. Étrangement, quelque chose, vous direz. C'est quoi cette ville-là? Je me rappelle même pas. Hé! Attendez, j'ai quelque chose pour vous! Comme aurait dit ma vieille tante, pour toi, un râteau dans la fente. C'est allô? Quoi, Billy? Vous vous rappelez de moi? Bien sûr que oui. J'ai un cadeau pour vous. Maman disait toujours qu'il fallait remercier les gens qui étaient gentils avec nous. Si seulement on pouvait penser à ça. Je dois y aller.
Ma tata veut pas que je m'éloigne de la maison. Elle a raison. Sois prudente. Et merci pour le cadeau. Wow. Elle, c'était qui? Elle, c'était la seule survivante qu'il y avait de... toute la gang de fuckés qu'il y avait là. Où est-ce qu'il y a le dessin? C'est ça? Ah, c'est cute. Il faudrait vraiment qu'il y ait... En tout cas, moi j'aurais mis un téléporteur dans la ville, mais ça fait ça fait de la marche inutile, je trouve. Pardon? Wow! Qu'est-ce qui est trop proche de même, là? Il y a des segments. Pas toujours de chance. Il y en a un autre là. La ville devrait être protégée. Même si ça semble pas à grand chose, ça. À cause de cette maudite averse qu'on se fait becquer par les mouches. La pluie, faut pas rouiller vos épaules. Il flotte. Non, il n'y a absolument rien. Moi, c'était juste un bug. Des fois, il apparaît comme s'il y avait quelque chose, mais... Ben, j'ai eu le petit cadeau de la petite fille. Au moins, ça, c'est bien. Les items que j'ai droppés sont encore là depuis tout ce temps-là. Incroyable. Bon, ben là, on va faire la quête principale. Ça a l'air qu'on n'a pas d'autre choix, là. Il ne reste plus rien à faire. On va tout faire de Vélène, là. Let's go. Je pense que j'avais arrêté après les sorcières, je me rappelle. Je vais essayer de faire péter ça.
C'est quoi ça? What the fuck? Ça doit être ça le chemin des douceurs. Suivons les bonbons. Là-bas. Le chien avait très faim. Il a mangé le mouton. Le queue pour le punir l'a pendu au plafond. L'a saigné comme un porc et en a fait du pâté. Rigole bien le queue, remplis-toi le buffet. Le chien n'était qu'un chiot, t'aurais pas dû l'oxyre. On allume un grand feu et on va te faire rôtir. 1, 2, 3, celui qui ira chercher du bois c'est... toi! Drôle de comptine. Partez, je vous connais pas. Que faites-vous ici, tout seul? On n'est pas seul. Grand-mère est là. D'accord. Et d'où venez-vous? On est des orphelins. Tous? Qui dit guerre, dit orphelin. Vous saviez pas ça? Je cherche les sorcières du marais de Torséchine. C'est vous qui avez une tête de sorcière? Les sorcières du marais? Les moires? On n'a pas le droit d'aller dans le marais. Grand-mère veut pas. Quand mon frère Zemek a disparu, grand-mère a dit qu'il s'était perdu dans les bois. Elle a beaucoup pleuré après ça. Il va peut-être revenir un jour. Je cherche une jeune femme, perdue dans le marais. Elle a des cheveux cendrés et une cicatrice au visage. Vous l'avez vue par ici? J'ai pas vu de femme, moi. Et moi, je suis quoi? T'es pas une femme. T'as pas de nichon. C'est vrai d'abord. Quand l'armée est arrivée, j'ai entendu un vieux qui disait « Cachez les femmes dans les bois, qu'elles mettent pas leur nichon sous le nez des soldats. Ça les rend fous, les pauvres. » Je vous le dis comme je l'ai entendu. Il n'y a personne d'autre ici? Comment ça? Quelqu'un qui aurait pu voir la femme, par exemple. Il y a l'arbre à six yeux. L'arbre a dormi toute l'année. Mais il y a Jeannot aussi. Encore en train de raconter des sornettes? Qu'est-ce que j'ai dit, hein? Personne n'a le droit de venir ici. Personne. Juste mes enfants, c'est tout. Vous êtes qui? Un bandit? Vous vous occupez de ces enfants? Ce sont mes petits-enfants. Grand-mère est gentille avec nous. Elle nous fait de la bonne soupe. Mes enfants se sont perdus dans les bois. Où sont-ils? Qui les a vus? Pas moi. Vous ne seriez pas une des sorcières du marais, par hasard? Moi, une sorcière? Je n'ai pas de balai, non, pas de hibou, pas même une verrue sur le nez. Il est beau, mon nez, voyez? Grand-mère a un joli bec.
Oh, ma chérie, tu es vraiment un amour. C'est très bizarre. Qui est Jeannot ? Jeannot, Jeannot, mange un chien. Le lendemain, il chie du crin. Surveille ton langage. Des histoires, toujours des histoires. Ils n'ont que ça dans la tête. Je ne faisais que leur parler, c'est tout. Je voulais savoir s'ils avaient vu une jeune femme. Ah, j'étais jeune autrefois. Jeune et belle, oui. J'avais une longue natte tressée par ma mère et je portais de jolies robes à fleurs. Vous l'avez peut-être vue. Jeune, cheveux cendrés. C'est votre fiancée ? Non, c'est ma fille. Fille ? Ma pauvre, pauvre petite fille et sa chère sœur. Où sont-elles maintenant ? Peut-être qu'on leur a fait du mal ? Je vous en prie, aidez-moi. Une jeune femme aux cheveux cendrés. Dites-moi seulement si vous l'avez vue ou pas. Qu'est-ce que vous regardez, les enfants ? Lavez-vous les mains. On va aller attraper des criquets. Je n'apprendrai rien de vous. C'est parce que je ne sais rien. Jeannot, lui, il sait des tas de choses. Quand je lui demande un truc, il me dit « Attends, gamin, je me gratte le cul et je te réponds. » Quel vilain mot. Méchant garçon, entre à la cabane. Je m'en vais te coller au coin, moi. Et vous, partez. Partez. Je me rappelais pas de ça. Ok. Aller à la hutte et parler au garçon. Il connaît beaucoup de choses. C'est lui? Non, ça c'est elle. Il y a deux maisons. Pourquoi il y a deux maisons? Grange. C'est barré, étrangement. Ils dorment ici, eux autres? C'est interdit. Je veux juste parler au garçon. Interdit, interdit, c'est interdit. Je veux plus vous parler, étranger. Grand-mère vous aime pas. Et puis, Jeannot n'existe pas d'abord. Et les étrangers, ils volent des enfants. J'ai une dernière question. Plus de questions, c'est fini. Partez, l'étranger. On ne cause pas aux étrangers. Mange, grand-mère. J'ai faim. Vous avez entendu? Il a peur de vous. Ils ont tous peur de vous. Pourquoi vous ne voulez pas parler de Jeannot? Si l'un d'entre vous le connaît, les autres aussi. Il n'y a que lui qui connaît Jeannot. Ils cueillent des champignons ensemble et ils font la chasse aux escargots. Mais grand-mère dit que Jeannot n'existe pas. Le garçon qui joue avec Jeannot, il est courageux, non ? Pas courageux, stupide. Un jour, ce gros bêta s'est assis cul nu sur une fourmilière. Il écoute jamais grand-mère. Il se fait gronder parce qu'il va dans les bois voir Jeannot. En plus, il mange des escargots. Bah. Elle vous traite bien, grand-mère ? Elle vous a déjà fait du mal ? Jamais. Quand on est méchant, elle pleure. Elle a peur que des étrangers nous volent et qu'on disparaisse. Ils ont pris le même face de petite fille et la même voix pour chacune de sa... la même face. L'un d'entre vous a-t-il déjà vu Jeannot ?
Bien sûr, il lui ressemble un peu. Alors pourquoi vous dites qu'il n'existe pas ? C'est grand-mère qui le dit. Elle sait des choses. La femme que je cherche est en danger. Vous devez m'aider à éloigner grand-mère pour que je parle à l'ami de Jeannot. D'accord, mais on veut quelque chose en échange. Jouez avec nous à cache-cache et on vous aidera. Très bien, on va jouer. Mais si je vous trouve, vous devrez m'aider à parler au garçon qui connaît Jeannot. D'accord ? Il croit qu'il va nous trouver facilement. Il connaît pas les escadrons noirs, c'est pour ça. Fermez les yeux et comptez à voix haute. Surtout vos doigts, ceux des pieds aussi. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Attention, me voilà. On a trouvé les enfants. Je pense qu'il y en a un sur le toit quelque part, là. Oh, ok, ça c'est celui que je suivais. Voilà. Il m'a trouvé. J'entends des choses bizarres au loin, mais... Sors de là. Comment vous m'avez trouvé ? Ok, 3 sur 4, il me manque un. Comprendre c'est quoi le bit qu'il y a là-bas, ça m'intrigue. J'ai trouvé tout le monde. Vous êtes un mage, pas vrai? Vous voulez bien nous apprendre un sort? Non. Vous avez une promesse à tenir. J'ai gagné. Maintenant, j'espère que vous allez m'aider à parler à l'ami de Jeannot. On a promis? Bien sûr qu'on va le faire. Tu n'as rien à craindre. J'ai rien à dire. Rien du tout. Je ne vais pas te faire de mal. Où est grand-mère ? Elle est occupée. Où sont tes parents et ceux des autres enfants ? Ils sont morts. Morts de faim ou tués par des soldats comme les miens. Un jour,
J'étais partie chercher des baies dans les bois. On en trouvait encore à l'époque. En rentrant à la maison, j'ai entendu des cris. Et puis des rires. Je me suis cachée dans les fourrés, à côté des bois. Maman criait. Ça faisait rire les soldats. Ils ont fait tomber papa. Ils ont coupé sa tête. Et après, maman... Ça va aller, mon garçon. Qu'est-ce qui te fait peur ? J'ai peur de rien, d'abord. Vous avez tous peur, c'est évident. Sinon, tu m'aurais parlé de Jeannot. Je m'inquiète pour Jeannot. Il vient plus nous voir. J'ai vu sa tanière un jour quand on cueillait des champignons. Grand-mère m'a crié dessus. Elle m'a dit de pas parler aux étrangers. Parce que il y a des enfants qui disparaissent. Elle est inquiète pour Jeannot. Mais elle dit aussi qu'il n'existe pas. Je veux juste parler à Jeannot. Il sait peut-être quelque chose. Vous lui ferez pas de mal, c'est promis. Jeannot, c'est mon ami. Je ne lui ferai pas de mal, promis. Grand-mère aime bien les chansons de Jeannot. Pendant la cueillette, l'autre jour, il m'a dit qu'il avait vu une fille aux cheveux cendrés. Où est Jeannot ? Il y a une petite clairière, dans le marais. Avec un drôle d'arbre au milieu. C'est par là que vous le trouverez. Merci. Ok, on débouche quelque part. J'ai dit pas d'insultes. Mais elle dit que des rats vont me manger les yeux pendant la nuit. C'est très méchant, ça. Excuse-toi. Trop de cul. J'attends des excuses, jeune fille. Je te préviens, j'ai tout mon temps. Pardon, c'était des mensonges pour les rats. Et je sais que c'est mal de dire des gros mots. C'est bien, ma chérie. Voilà qui mérite une petite poignée de bonbons. Qu'est-ce que... Il n'y a rien pour vous ici. Laissez les enfants tranquilles. Bizarre. Je sais pas si elle est méchante ou gentille, j'ai aucune idée. Jeannot! Lâchez Jeannot tranquille. Si Jeannot existe, je devrais trouver des empreintes de pas. Des empreintes d'enfants. Jeannot est passé par ici. Ok. Je sais pas si c'est genre normal que j'entends ça ou... C'est des grenouilles. Les grenouilles sont pas méchantes dans ce jeu-là. Les empreintes mènent à une tanière. Je vais jeter un œil. Jeannot. Ça peut bien Jeannot, c'était un genre d'esprit ou un monstre. N'aie pas peur. Tu es un buka ? Un lutin, alors. Je sais. Un sélicole. Une espèce rare de nos jours. Je cherche une fille aux cheveux cendrés. Tu l'as vue ? Raconte-moi tout depuis le début. Où l'as-tu vue ? Que faisait-elle ? C'est très important pour moi. Et pourquoi ?
C'est ici que tu habites? J'ai perdu sa lame, c'est quoi? Bien situé. Tu dois tout connaître de ce marais. Je me trompe? Ça ne te dérange pas de vivre au milieu des monstres? Tu connais bien les enfants de la clairière? N'aie pas peur. Je ne veux de mal à personne. Quoi? Tu ne peux pas parler? Pourquoi? Tu as perdu ta voix? Peut-être je peux t'aider. Je ne comprends pas. Tu veux bien m'expliquer? Tu veux que je te suive? C'est vraiment nécessaire? Ok. 7 d'expérience. Ouh. C'est l'école. Ça, on a Ignifalus. Fatus, excusez. Attention, mais c'est un monstre dans les marais. Puis on a un silicole. Mais vu que c'est pas une créature dangereuse, ils ont pas mis de. Il y a quelques années encore, les terres sauvages foisonnaient d'esprit de la nature. Mais aujourd'hui, farfadet, buca et lutin ont pour ainsi dire disparu. Ne parlons pas des silicoles qui sont toujours les premières victimes de l'inexorable avancée de la civilisation. Le silicole, à ne pas confondre avec le lutin, une créature des bois vivant dans les souches et les terriers près des habitations humaines. Il ressemble à tout point à un enfant, et tel un enfant est doté d'un esprit farceur. Un silicole veille de manière invisible sur les humains et les animaux vivant à proximité de sa tanière. Attiré par la joie et l'innocence, il apprécie tout naturellement la compagnie des enfants, seul humain à qui il ose révéler sa présence. En échange de ses services, il ne demande rien d'autre que le respect, une petite récompense sous forme de nourriture ou d'outils usés. En revanche, il déteste la grossièreté et l'ingratitude. Un silicole aime le calme et la sérénité. C'est pourquoi lorsqu'un village prend trop d'ampleur ou que ses habitants oublient les anciennes traditions, il abandonne son terrier et part vers d'autres horizons. Ok, moi, c'est d'être très... Et merde. Je veux du miel. Il y a quelque chose sur la corniche qui t'aidera à retrouver ta voix. Tu veux que je grimpe, c'est ça? Où est-ce que je suis? C'était pas là que j'étais puis que j'entendais le monde crier comme « Ne proche pas! Va-t'en! » Non, c'était des marais, c'était ici. C'était là, je sais plus.
Non, c'était proche de la montagne. C'était ici. J'avais quelque chose là dans ce coin-là. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Je peux peut-être juste monter par là. Ah, oh, c'était le Wyvern qui avait ici, je crois. Voilà sans doute la fameuse bouteille. Pouvoir dire « je veux et j'exige d'exquises excuses » est un véritable enfer. Merci du fond du cœur, noble étranger. Longue vie à toi. Hé, hey, pas si vite. Tu n'oublies pas quelque chose? Quel dommage de transformer ton acte généreux en banal échange de faveurs. Comment faut-il s'y prendre pour mettre une voix en bouteille? J'aimerais bien savoir. Et moi donc? Surtout une voix comme la mienne, tantôt pareille à un tendre ruisseau, tantôt puissante comme le tonnerre. Sans compter que, tu l'as sans doute remarqué, je suis plutôt volubile. Simple farce ou méchanceté, en tout cas c'est une magie puissante. Comment as-tu perdu ta voix? Je me suis réveillée un matin pour chanter aux aurores, comme à mon habitude, et là, stupéfaction, ma voix avait disparu. Malgré tous mes efforts, ma bouche refusait d'émettre le moindre son. J'ai bien tenté de me rendre au village pour louer les services de la nouvelle sorcière, mais ces rustres ont lâché leurs chiens sur moi en criant au farfadet. Honnêtement, j'ai l'air d'un farfadet? Pas du tout. Bien sûr que non. Enfin, c'est sûrement les moires qui m'avaient maudit. Qui d'autre? Un de mes amis moineaux était bien parvenu à retrouver ma voix, mais je pouvais pas l'atteindre. Et tu ne pouvais pas demander à un ami corbeau de te rapporter la bouteille? Les corbeaux servent les moires. Ils n'aident personne. Je cherche une jeune femme aux cheveux cendrés. Ça te dit quelque chose? Comment pourrais-je oublier? Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était mon moment préféré de la journée. Je venais de me lever et j'allais me soulager. Ah, déféquer face au soleil levant, quel pied! Soudain, j'ai entendu une détonation, tellement forte que ça ne pouvait pas venir de moi. Et cette fille est sortie de nulle part. Jeune, les cheveux cendrés, comme tu l'as dit. Blessée et à bout de souffle. Elle s'est précipitée vers les cabanes des enfants, comme si les moires elles-mêmes étaient à ses trousses. Je l'ai copieusement invectivée, parce qu'elle avait dérangé ma routine. Mais j'avais déjà perdu ma voix, alors je pense pas qu'elle m'ait entendue. Je suis passé par le village du Marais. Je me demande si la femme qui vit là-bas n'est pas une moire. Cette femme, elle t'a paru perturbée? Folle alliée. Oh, tu me rassures. Ce n'est que la pauvre vieille qui s'occupe des orphelins. Elle prétend que je n'existe pas, tu imagines? Des orphelins, dans un marais. Tu as quelque chose contre les marais? Je vis ici depuis toujours et je ne m'en porte pas plus mal, figure-toi. Que sais-tu des moires? Ce sont des femmes cruelles, aussi anciennes que cette forêt. Mieux vaut ne pas attirer leur courroux. Vraiment? Qu'est-ce que je risque? Ta voix? Ta vie? Ça dépend de leur humeur.
Leur méchanceté est sans limite. Même si, à leur manière, elles protègent la région. D'après la légende, elles tiennent toujours parole. Mais prends garde à ce que tu demandes. Tu ne les trouveras pas. Tu ne les verras pas. À moins qu'elles le désirent. Mais n'oublie pas que rien de ce qui se passe dans le marais n'échappe à leur vigilance. Si elle a couru vers l'orphelinat, les enfants l'ont forcément vue. Au moins la femme qui s'occupe d'eux. Cette vieille peau ne parle pas aux étrangers. Pas de chance pour toi. Et à toi, elle parlerait? Je lui ai déjà parlé par le passé. Très bien, un prêté pour un rendu. Suis-moi. Ok. Oui, maison de site, on y va. Parfait. La voie est libre. Pas une moire en vue. Je vais chanter pour grand-mère, ça la calmera. Le gentil petit Jeannot regardait les braises. Craque, soudain une étincelle lui dit des fadaises. Tu as retrouvé ta voix? Oui, mais je crois bien avoir perdu une octave en route. Il faudra que je pense à la chercher. Tu n'aurais pas dû venir, Jeannot. Tu sais que c'est interdit. Calme-toi, grand-mère. Ne t'énerve pas, c'est mauvais pour toi. À propos de la femme que je cherche. Désolée, grand-mère, mais cet homme insiste pour voir les dames. Non, c'est interdit. Je vous en prie. C'est important. Il sera sage, grand-mère. C'est promis. Écoute-moi, j'ai retrouvé la petite Yagna, tu te souviens? Et j'ai guéri Jenny de sa fièvre, n'est-ce pas? Je ne t'ai rien demandé en retour. Non, pas même quand j'ai perdu ma voix. Eh bien, maintenant, grand-mère, je te demande une faveur. Aide cet homme, ne serait-ce que pour nous en débarrasser. Sa fille a disparu, et seules les dames peuvent la retrouver. Tu dis vrai, Jeannot. C'est d'accord, je vais l'aider. Suivez-moi. C'est une sorcière ou pas, elle? Jeannot est un bon garçon. Oui, c'est sûr. Mais les dames ne l'aiment pas. Méchante peste, qu'elles disent. Qui sont ces femmes sur la tapisserie? Ce sont les dames. Ô ravissante dame à l'esprit tout-puissant, entendez mon appel et entendez mon chant. Devant vous se prosterne un ver insignifiant. Comment oses-tu troubler notre sommeil, femme?
Quelqu'un parle à travers vous, n'est-ce pas? Oh, intelligent, ma foi. C'est un spécimen rare, mes sœurs. C'est donc vous, Mémoire. En effet, je vous imaginais vieille et laide, peut-être. Ces garces du village ont encore colporté des ragots. Les humains sont des êtres jaloux et méchants. Est-ce qu'on ressemble à des moires étrangers? Viens donc vérifier. Touche-moi, toison blanche. Touche-moi là où tu le désires. Dites-moi, je rêve où cette tapisserie est faite de cheveux. Oh, comme ses mains sont douces et sensibles. Touche-moi encore, mon garçon. Touche-moi. Où trouvez-vous des cheveux humains? Ne connais-tu pas la césure? Dans la région, un enfant devient un homme lorsqu'il coupe ses cheveux pour la première fois. Notre sœur tisse alors une tapisserie, et si la trame est droite, heureux est le destin. Et dans le cas contraire? Alors il faut la démêler. Cette tapisserie, c'est une prison. Vous êtes maudite? Fuyez là, petit curieux. Nul ne peut nous maudire. C'est nous qui maudissons les autres. Je cherche une fille aux cheveux cendrés, vous l'avez vue, je le sais. Où est-elle? Oh, comme il est impatient. Peut-être n'aime-t-il que les filles aux cheveux cendrés. Ciri est ma fille adoptive. C'est moi qui l'ai élevée. Et alors, si elle est gironde, quelle importance? C'est important pour moi. Je crois que nous avons touché une corde sensible. Regardez comme il bout de colère. Oh oui, c'est comme ça que je les aime. Vous l'avez rencontrée, je le sais. Dites-moi tout. Tu ne perds pas de temps, je vois. Très bien. Dis-moi, es-tu un homme, un vrai? As-tu peur des bêtes de la forêt? Nous vivons une période trouble, toison blanche. Frère contre frère, et la terre est gorgée de sang. Le mal règne sur le pays, plus fort que jamais. Une sombre présence est apparue aux abords de Cuterrier. Elle se nourrit de haine et de mépris. Détruis la bête et nous serons reconnaissantes. Nous te dirons tout ce que nous savons sur cette fille aux cheveux cendrés. Une sombre présence. C'est un chevalier errant qu'il vous faut, pas un sorceleur. Parle à l'échevin de Cuterrier, il t'en dira plus. Et n'oublie pas de collecter notre dû une fois la tâche accomplie. Et maintenant, notre servante va t'apporter la dague. Une dague? Pourquoi faire? Quand l'échevin verra la dague, il saura que tu es notre envoyé et il t'aidera sans réserve. Ok. Je vais parler à l'échevin, mais je ne vous promets rien. Qu'est-ce que tu attends, va? Donne-lui la dague! Quant à toi, toison blanche, ne reviens pas avant d'avoir accompli ta quête. Oui, maîtresse, la dague. J'arrive. J'apporte la dague. La dague, voilà. Pour vous. Les dames m'ont demandé de vous la donner. Placez le paiement de l'échevin sur la pierre. Pierre nue, pierre tondue, pierre voyante, pierre savante. Ok. C'est très perturbant. Culte terrier. Bon ben
faut retourner en haut. On va voir ce qui se passe au prochain épisode, parce que ça fait déjà une heure qu'on joue. Donc, je vous dis merci beaucoup d'avoir été tout le monde. Pika pika à tous. Et à la prochaine!